Allez, on réattaque The Région 2. On va commencer avec la mission qu'il m'a donnée. Time to expand the farm. Alors, deux pièces de rechange qui sont ici, deux planches de bois qui sont ici, et un rouleau de métal qui est ici. Au moins, c'est pas compliqué, c'est pas loin. Je vois qu'il y a carrément déjà des remorques, mais il me semble que c'est pas spécialement intéressant. Écoutez, comme je le disais avant de lancer la vidéo, le but c'est pour une ferme. Eh ben, on va y aller avec un tracteur. Alors, est-ce qu'ils sont débloqués? Qui revêtent? J'hésite, est-ce que je prends le nouveau ou pas? Ce serait quand même peut-être plus sympa. Ouais, allez, je préfère le nouveau quand même. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à lui mettre. Si, on va lui mettre quand même le moteur maximum. Être sûr qu'il monte la côte. Oh, on va pas lui mettre des pneus larges, j'aime pas. Module châssis. Je suis pas super fan. Je crois que ça se colore pas en plus, hein. Ça me ferait de l'essence, mais. Ah bah non, je l'ai pas de dispo. Comme ça, c'est verrouillé. Ok. Qu'est-ce qu'on a en couleur? Alors. Tracteur militaire? Bon. N'exagérons rien. Bleu, jaune. Ah ouais, jaune, pas mal. Orange et bleu, c'est pas trop mal aussi. Qu'est-ce qu'on se dit? Peut-être un jaune. Allez, va pour un jaune. Hop. Par contre, il faut que je passe chercher une remorque. Allez, c'est parti. Bon, j'ai bien tous les micros, tout est ouvert, c'est bon. On est parti. Tracteur sur autoroute, je suis pas sûr. Mais si. En plus, sans pas de pneus autoroute. C'est justement ça qui est bien. On va voir comment il va glisser dans la pente. J'aurais peut-être pas dû ranger ma grue parce que je sens que je vais en avoir besoin. Je sens que je vais avoir besoin de la grue. Là, je sens qu'il va me falloir une dépanneuse dans le bas de la descente. Hein. T'as pas la montée à faire par contre? Bah, faut que j'aille chercher une. Si? Si? Faut que j'aille chercher une remorque. Et puis après, faut que je j'aille chercher tout le matos qui est en bas de la carte. Donc, je vais pas passer par le haut. Hein. T'as la vache. Toujours aussi merdique. J'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. Là, les articulés comme le 4 ou le. Ou celui-là, ils ont les roues avant qui se penchent comme si j'étais à 300 à l'heure. Ah oui, effectivement. Ah oui, effectivement, c'est de la. Oh, effectivement, c'est de la merde. Ah oui, d'accord. Ah oui. Puis ils accrochent bien, par contre. Hein. Ils accrochent, mais uniquement quand t'es en travers. Ça, par contre, c'est un délire. Ils accrochent pas en ligne droite, mais par contre, en travers, ça, y a pas de souci. Salut TNT. Ah, on a du gros klaxon. Hein. Bon, les véhicules sont trop loin là pour aller chercher. Ouais, c'est trop loin. On ira les chercher plus tard avec une Porsche, je sais pas. Il y a plus de coupes normalement là-dessus. Qu'est-ce que j'ai pas vu? T'as pas un magasin de remorque là où il y a les ressources? Je. Ah, tu me dis une. C'est vrai qu'il y a des remorques. Oh putain, je suis con. L'autre jour, j'avais regardé, je l'avais pas vu. Bon, bah, je suis con. Voilà, c'est dit, hein. C'est dit, je suis con, qu'est-ce que je te dise? Bon, je suis arrivé, hein, ça va pas changer grand-chose maintenant. Mais bah, merci de me l'avoir dit, je suis con. Pourtant, j'avais regardé l'autre jour et je l'avais pas trouvé. Mais par contre, je me rappelle tout à fait, bah, là tout de suite, j'avais vu qu'il y avait des remorques en fait. Et je me suis pas dit, tiens, s'il y a des remorques, c'est peut-être qu'il y a un vendeur à côté. C'est pas forcément logique d'une certaine manière. Parce que des fois, il y a des remorques et il y a rien. Ou il y a des vendeurs et il y a rien. Tant pis, on fait un petit tour. On passe voir l'autoroute. C'est bon, ça circule bien. Il n'y a pas de bouchon, c'est bon, on peut y aller. Oh, bordel! Vous pouvez venir, il n'y a pas de départ en vacances, pas de soucis. Oh, dans la descente, ça va être un massacre. Hein. Ça va être un massacre dans la descente. Je vais peut-être essayer de prendre autre chose. Oh, quoi que tu me diras, la deux places du jeu, elle est pas si mal, hein. Mais par contre, elle va jamais tenir debout. C'est un peu ce qui m'inquiète. J'hésite à prendre une 3 places, peut-être de pack trailer, qui fait des trucs un peu agricoles, je trouve. Ça pourrait peut-être être un peu mieux. En plus, une 3 places, ça me ferait faire que 2 allers-retours. Par contre, je vais en foutre 2 fois plus par terre, quoi. Dans la descente, là, je pense que ça va pas pardonner. Hein. Tracteurs sont interdits sur l'autoroute. Effectivement, il faut aller à 60 km/h minimum, je crois, je sais plus. Sur l'autoroute, je sais plus combien c'est la limite. J'avais oublié que ça roulait si vite. Par contre, il a les roues carrées. Ouais, ça sautille un peu. Putain de fucking merde! Impossible de le braquer. Il a une direction de merde, c'est incroyable.
C'est incroyable, il glisse, tu contournes et le machin il part tout droit. Il est irrattrapable, c'est un désastre. Putain, vraiment, la route c'est pas fait pour le jeu. C'est vraiment pas fait pour le jeu. Ah putain! Juste à l'arrivée du vendeur de remorque, ça me saoule. Ah bordel! Ah, ça m'énerve. Non seulement je fais tout ça pour rien, j'aurais carrément dû ramener le tracteur en fait. J'aurais carrément dû ramener le tracteur. Tu sais quoi, je vais ramener le tracteur parce que de toute façon le vendeur de remorque il est pas ici. Le plus intéressant, donc tu sais quoi, vas-y. Fuck, hein, fuck, fuck et fuck. C'est vraiment la direction, elle tourne pas! Ça tourne pas et ça adhère pas, c'est incroyable. Là, t'imagines nos tracteurs sur la route s'ils étaient comme ça? S'il leur fallait 300 mètres pour braquer? Regarde-moi ça comment ils lèvent. Putain, je sais bien que j'accélère, mais quand même. C'est un délire. Bref. On repart d'ici, ce sera plus simple. Je vais aller faire la montée à vide. La descente aussi. Le crash aussi. Salut Crevette, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Voilà. Je dirais pas que je t'avais prévenu. C'est pas faux. 80 minimum sur autoroute. Ah oui, c'est 80. Je savais plus. Putain, il est gros quand même, hein. Côté du 57X. Cette map est-elle bien? Bah écoute, c'est un peu tôt pour te dire. D'un côté, j'ai envie de te dire oui. D'un autre côté, j'ai envie de te dire non, c'est nul. Oui, elle est stylée. Elle est plutôt jolie. Ça a l'air sympathique et tout. Mais il y a quelques abus et puis le jeu est pas fait pour quoi. T'es obligé limite de prendre des modes cheatés parce que. Enfin cheatés. Plus ou moins parce que les camions ils adhèrent pas sur la route quoi. T'as aucune adhérence, même avec les pneus autoroute, il y a des fois tu glisses comme pas possible, c'est un délire quoi. C'est la physique du jeu malheureusement donc. J'ai vu des tracteurs en mode, j'ai pas encore essayé. Bah j'en ai essayé un ou deux et puis c'est programmé hein, pour que je vous les essaie. J'en avais testé 2 ou 3, je crois, c'était sur la phase 10, 8 justement, 8. Quand j'avais testé de faire les champs, voir un petit peu la vitesse, comment ça allait, j'avais essayé le Norland de Pogrim, je crois. Et j'avais dû essayer un K quelque chose, je sais plus de qui, qu'on a fait 2 ou 3 autres en plus. Et j'avais testé aussi un petit verre, mais alors celui-là, il n'y avait rien du tout, c'était un peu de la merde. Il était très joli, mais il était tout petit, c'était pas fou. Un taureau, je sais plus quoi, Ah, j'ai plus de nom, mais. C'était pas vraiment dédié au jeu, quoi. Salut, Paul. On met les gyrophares pour bien nous voir nous cracher dans la nuit. Parce que là, à mon avis, si j'accélère à pleine balle, je passe pas. C'est par terre. Déjà rien que là, je suis pas sûr. Faut mettre la lente, mais il grimpe. Et il galère quand même, hein. Ah, il aspire de l'air, le machin. Putain, c'est juste, mais ça passe. Il y a beaucoup d'asphalte. Ah ouais, non, mais la map est quasiment faite que d'asphalte. C'est The Région, hein. C'est comme la première hein, que j'avais fait déjà en mode. Hein. Donc le Toro Piro Italiano, ouais, ça doit être ça, effectivement. Ça va être un truc comme ça. Toro Italiano, quelque chose, ouais, peut-être, je sais plus trop, ouais, ça doit être ça. Il était très joli, mais il servait à rien, il me semble. Mais par contre, il y en a deux autres, des K150 et K quelque chose, qui avaient été faits. Il faut que je vous les teste en mode. Ils avaient l'air pas trop mal. Et surtout, je crois, c'est pas des véhicules. Des véhicules articulés comme cette merde. Alors, je fais peut-être une connerie, je voulais aller chercher le Voron à eux. Waouh.
Waouh. C'est vraiment, par contre, il a fait des routes toutes plates hein, au niveau bitume. Enfin, sauf les dénivelés, hein. Mais par contre, ces routes de terre, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il s'est vengé dessus, hein. Il a donné des coups de couteau dessus, ça fait que ça fait des trucs, des trous dans tous les sens, des angles, des pointes. C'est un délire. Même en vélo, t'y vas pas là-dedans. Au bout de 200 mètres, t'as voilé ta roue, c'est un truc de fou. Putain la vache. Je vois pas vraiment l'intérêt de faire une route de bitume vraiment toute plate, toute lisse, un billard. De rajouter des routes de terre, mais de faire des routes mais de merde. Mais même en hélicoptère, t'y vas pas quoi. Allez, 100 mètres. On va y être. Comme ça, j'aurai un véhicule de plus, j'aurai un véhicule de moins dans la liste. J'aurai un peu de pognon en plus. Et puis je vais sûrement m'en servir au cas où dans le coin. On va voir à quoi il ressemble. Je crois que je l'ai pas vu de près celui-là. Salut Tornio. GWC, tracteur. Ah ouais, mais non, GWC, je suis désolé, mais non. Non, non. C'est cheaté et les textures sont immondes. Non. C'est. Non, je suis désolé, je déteste les GWC. Ils les enchaînent à une vitesse et tu vois que les textures, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas beau, quoi. Je suis désolé, je peux pas. Et j'en ai testé quelques-uns, c'était tellement cheaté. Bah, j'avais testé justement deux GWC sur la carte la The Région 1. J'avais pris exprès des camions autoroutiers. On a assisté à quelques délires d'ailleurs. Vous pouvez aller voir, il y avait eu quelques bugs avec ces deux camions-là. C'était un truc assez, ouais, assez folklore. Alors il est pas si moche que je croyais au niveau de la custom. Je savais même pas qu'il avait ce pare-choc-là. C'est un pare-choc modé ou quoi? Alors par contre, je veux bien que t'avances. Hein. Ah, il est pneu de DMHS. Ok. On dirait le pare-choc du Voron D. Ah, je veux bien que tu viennes quand même. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il y a le caillou, mais... Ah, t'as peut-être la suspate qui est pétée en plus, toi. Le tracteur veut même pas reculer quoi. Je suis au taquet sur l'accélérateur, il veut même pas bouger. Donc il lui a mis un plateau comme le step. Une roue de secours, on dirait que c'est pas la sienne non plus. On dirait qu'il a des équipements du Vorondé, c'est pas possible. Il l'a modé ou quoi son véhicule? On dirait qu'il a modé le véhicule, je crois pas qu'il ait ce pare-choc. Je crois pas qu'il ait cette roue de secours. Il a l'air complètement défoncé le machin. Je crois que j'aurais plus vite fait de. T'as plus vite fait d'apprendre à marcher au plâtre. Mais je sens que je vais le renvoyer à la maison parce que là il est dans un état. Laisse, je suis en train de perdre mon temps là. Oh, il est pété de chez pété, y a plus rien. Y a plus rien, y a tout juste les portières quoi. Ça sert même pas d'aquarium le machin. Voilà, il est tout beau tout neuf. Ouais, on dirait vraiment que il a des trucs qui sont pas à lui, hein. Il me semble. Je peux me planter, je le connais pas beaucoup en fait. Je le détestais au début. Je l'ai retesté il n'y a pas hyper longtemps. Et j'ai vu qu'il était hyper bien. Malgré qu'il a un petit réservoir, le machin c'est une furie. Mais par contre, ouais. Du coup, je connais pas tellement le véhicule. J'ai pas vu. Il dirait un John Deere 7810. Sur les photos, ils sont beaux. Ouais, sur les photos, ils sont beaux, mais bon. Tu vois quand même que les textures, on dirait que ça vient pas du même jeu, quoi. Moi, j'aime pas aller chez WC. Salut Skyrab! Je suis désolé, après, vous jouez avec ce que vous voulez, hein. Je suis pas là pour critiquer gratos, hein. Mais j'aime pas aller chez WC. Ce que j'ai testé me plaît pas du tout. C'est pas les textures que j'ai envie de voir dans le jeu, c'est pas les perfs que j'ai envie de voir dans le jeu. Le mec, il en sort tellement, mais un par semaine de mode, si c'est pas plus, des fois.
Ils ont l'air d'être faits à la va-vite, des fois il y a des trucs qui marchent pas, mais c'est pas grave, ils les balancent. C'est carrément des commissions, je crois, en plus, lui, hein. Il en fait plein, visiblement, c'est des mecs qui ils lui donnent de l'argent, je crois, puis il fait le véhicule. Bon, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, c'est un travail comme un autre, si on peut dire, mais j'aime pas les textures, non, j'aime pas. Mais il a fait tout, hein, j'ai vu qu'il a fait des 4x4, des camions un peu militaires, un peu rétro, des camions américains, bah, ceux que j'avais testés. Apparemment un tracteur, c'est possible. Je sais plus s'il a pas fait pas mal d'autres choses. Je crois que ouais, il avait fait des. Alors c'était pas des tracteurs, c'était John Deere effectivement. Le truc qui ça ressemblait, c'était une espèce de débusqueuse, je crois. Il me semble qu'il avait fait un truc comme ça. Je crois qu'il avait fait un truc comme ça aussi, lui. Je connais pas, c'est juste qu'on parlait tracteur, c'est pour ça que j'utilise. D'accord. Il est abîmé ou pas? Il a pas pris un choc? Bon, bon, on va pas le réparer. Par contre, le plein d'essence, oui. Waouh! Ça, j'aime bien. Quand il glisse comme ça sur le bitume, j'aime bien. Quand tu piles, ça me plaît. Le plein, s'il vous plaît. Hop! Bon, je vais regarder ce que je vais prendre comme remorque, mais par contre, j'en ai 300. Hein. Ah, bah, c'est ici. C'est pas loin. Ah, mais tourne, bon sang! Oh putain, la vache! Ah, vraiment, les tracteurs articulés, ils ont mis aucune direction dedans. Ben! Allez, coupe le moteur, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, c'est une 4 places. 4 places. Ça, c'est une 3 places, mais bof. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est une grume courte. Double grume courte, je crois. 2 places. Ça, c'est une 3 places, je crois. Ça pourrait lui aller pas mal. Alors, par contre, c'est vachement long et ça. Ouais, ça lui va bien en fait. Ça lui va pas mal. Alors, c'est un peu les pneus des Veyron et autres, des Ural, mais pourquoi pas. Bon, celle-là, elle est 3 places aussi, mais bon, ça fait 3 remorques d'autoroute. Bon, bah, ça, c'est celle du jeu. Celle-là, je l'aime pas non plus, elle est hyper lourde pour rien. Ah, bah, on a fait le tour. Bon, on va prendre la 3 places bleue, ça change un peu. Non, elle est en dessous. Voilà. On va prendre celle-là, je trouve que ça lui va pas mal. Alors. Oh, ah bah oui, il y a une grosse remorque, c'est vrai, ici. Alors, il faut que j'aille là-dedans prendre un rouleau de métal. Et puis, là-dedans, prendre un truc. Et puis, on reviendra chercher les autres, ici. Et ensuite, on ira... Hop, hop. Hop. C'est parti. Ah oui, non, c'était à droite. C'était à droite. Ah, c'est bien, il y a quand même de la place pour faire éventuellement un demi-tour. Ça va pas être facile, mais peut-être que ça va le faire. Alors, un rouleau de métal. Un rouleau de métal. C'est pareil, le bloc diff obligatoire, hein, sur les tracteurs. Ça empêche de pouvoir tourner un peu plus, un peu mieux. Hein. Ça, c'est un délire. Hein. Les développeurs ont vraiment tout fait pour que ce soit de la merde, les tracteurs, je comprends pas. Ils ont mis tellement longtemps à récupérer la licence qu'ils revêtent avec OEM, OHM, non, je sais plus. Je sais plus, il y avait un truc, ceux qui détenaient la licence qu'ils revêtent. Non, OVH. Ah putain, je sais plus. OVO? Ah putain, j'ai plus de nom. C'est ceux qui ont fait Spin Tire, je crois.
et qui avait la licence qui revêt, ils ont réussi à la récupérer pour la phase 8. Et bah ils en ont fait de la merde, donc je trouve ça un peu dommage. Alors si je dois me faire une manœuvre là-dedans, ça va être pratique. Hein. C'est ça. Ah, quoique, non, ça va, c'est peut-être pas si mal. C'est peut-être pas si mal, il a laissé des angles quand même pour faire des demi-tours. J'ai l'impression que c'était hyper... Oh merde, bah oui. Tracteur articulé, tracteur de merde. J'aurais pu trouver une rime, mais ça aurait pas été propre. Ah non, ça va, il y a un petit chemin quand même pour faire demi-tour, c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est propre comme, comme carte. Hein. Planche de bois, 2. Voilà. Mais il fait déjà nuit, bordel, j'ai l'impression de mettre la journée toutes les 2 minutes, sans déconner. Il fait qu'à 6h du mat, ça ressemble à quoi? Pff, ouais. C'est pas hyper hyper agréable. Salut Optimus. Tu live quand? Demain? Expédition? Non, expédition, j'attends la mise à jour. Alors ça risque de pas tarder vu que j'ai l'impression qu'ils font pas de mise à jour. Là j'ai posté un commentaire au développeur. Tiens, j'ai peut-être une réponse. Je vois que j'ai un message, bougez pas une petite seconde. J'ai posté un commentaire. Ah oui, peut-être que j'ai une réponse. Non, en fait j'ai pas de réponse. Non, en fait, c'est pas lui. C'est pas lui. Je croyais qu'il m'a répondu. Je vais me laisser un message pour lui demander s'il comptait faire une mise à jour et surtout s'il comptait patcher toutes les fameuses choses qu'il m'avait dit qui étaient prévues parce qu'il n'y en a pas l'ombre d'un truc dans la saison 0 qui est en PBB. Et bah du coup, je vais demander quoi. Il compte les fixer ou pas parce que c'est quand même un peu important quoi de pouvoir se téléporter dans un véhicule qui est sur d'autres cartes, toutes ces conneries quoi. Donc pas de réponse pour l'instant, je pense que j'en aurai pas. J'avais dit que c'était peut-être une vieille version, la saison 0, surtout qu'en plus tout a été spoilé dans le trailer du Year Pass. Vous pouvez voir tous les aperçus de la saison 0. Il y a un cadavre de dino, enfin un squelette de dino, pardon. Vous avez l'ouverture de la cave, de la grotte, ou je sais pas ce que vous voulez. Vous avez la grotte, un petit passage, vous avez tout plein de trucs. Donc du coup tout avait déjà été fait, était déjà prêt avant. Mais par contre il n'y a rien qui a été vraiment corrigé au niveau des problèmes du jeu. Donc des QOL, les fameux Quality of Life. Surtout que dans la dernière, bon il y a eu quelques trucs je crois. Je sais plus si c'était dans la nouvelle ou dans celle-là qu'on attendait plein de trucs. Pour l'instant il n'y a que dalle. Donc j'attends d'en voir plus pour vraiment sauter de joie d'une certaine manière. Parce que là franchement j'ai un peu peur là. J'ai un peu peur de ce qu'ils font. Surtout que j'ai très très peur d'une autre chose. Tiens, on va en parler vite fait. Je lis tes messages après, je dis excuse-moi. J'ai regardé le trailer du Year Pass 1. Et dedans, ils te disent qu'en gros, ils vont étendre, j'ai l'impression. Alors, c'est pas forcément facile à comprendre parce que l'anglais, ça peut des fois être interprété de différentes façons. Mais j'ai l'impression qu'ils vont étendre l'Arizona et les Carpates. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut de la nouveauté, quoi. Donc, j'ai un peu peur, surtout que la saison 0, c'est ça. Donc j'ai un peu... Je flippe un peu. J'ai un peu peur que le Season Pass soit vraiment de la merde, ce qui m'étonne d'une certaine manière, parce que faut avouer qu'on n'a pas trop à se plaindre au niveau des Season Pass de Snow. Voilà, ça a toujours été quand même assez intéressant, au moins un minimum. Et là, ça me fait très très peur. Donc on verra. Alors l'avantage de l'articulé, c'est que tu peux vraiment braquer d'un coup pour réinverser la flèche. C'est assez pratique quand même, il faut avouer. Quand tu vois que ça commence de partir, tu peux le reprendre très très vite. Hop, là je vois que je pars de là-bas, hop, je le réinverse et je suis en ligne droite. Donc ça j'avoue que c'est pas mal du tout. Hop, hop. Donc ouais, j'ai un peu peur pour lui repasser un. Alors que je pense qu'il pourrait attirer du monde, j'ai peur qu'il fasse de la merde. Vraiment. Pourtant, ça pourrait attirer du monde. Vraiment, pour moi, le jeu mérite mieux. Je vous ai fait une vidéo, hein, je vais pas tout refaire. Mais je pense qu'il mérite mieux et qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
peut-être prendre un petit peu plus loin. Hop, on sait jamais. Je devrais pouvoir recadrer. Ça fait un moment que j'ai pas fait du farming, mais je comprends pas comment ils peuvent pas mettre cette physique de terrain. Ce serait top pour une sim agricole. Bah, c'est le moteur, hein. Il faut créer ton propre moteur, hein. Donc, SnowRunner l'a depuis un moment, le moteur, entre guillemets, et c'est pour ça que sur certains points, il risque de ne pas changer le moteur pour s'il y a un SnowRunner 2. Dans le sens où c'est un moteur qui marche quand même vraiment bien, et je crois que c'est un moteur propriétaire à eux. C'est quoi déjà? Merde, j'ai même plus le nom. Je le confonds tout le temps en plus, le nom. Donc, je me dis que, ouais, il se peut qu'il le change pas le moteur, mais c'est vrai qu'il est bon, mais. Par contre, c'est vrai que dans Farming ou Construction Simulator, alors Construction Simulator, c'est peut-être encore un autre débat, mais autant t'as la physique un peu du terrain, autant, quoique, parce que tu montes un tracteur ou un bulldo sur une toute petite butte, une toute petite truc, un tout petit caillou, le machin, il est tanké, hein. C'est fini. Hein. c'est un peu de la merde, malheureusement, et alors le gameplay sur route, bon, moins ça roule, mais ça part pas dans tous les sens comme dans Snow, mais c'est pas terrible du tout. Tracteur articulé, tracteur à chier. Ouais, ça va, c'est pas mal. J'avais plus vulgaire, honnêtement. Tout à l'heure, je regardais les jeux streamés. Il y avait Mudrunner, spectateur pour deux streamers russes. Ah, mais Mudrunner était très cool. Hein. J'avoue que j'aimerais bien jouer à Spin Tires. J'avoue que j'aimerais plutôt bien voir ce que c'était, voir d'où ça vient, voir ce qu'il y avait, voir le truc Tchernobyl, les ponts qui s'effondrent, toutes ces conneries. J'avoue que j'aimerais bien. Tu pourrais prendre le K700 pour le deuxième voyage. Oh, ça fait trop long. Ça fait trop long, faut que j'aille chercher le tracteur, que je le ramène. Non, je vais finir avec ça. Je le reprendrai au pire s'il y a autre chose en agricole, t'inquiète. Mais là, je vais finir avec lui vite fait, ce sera plus simple. Hein. Plutôt que de faire un aller-retour. Salut monsieur 4x4. Ah oui, c'est Avoc, effectivement, merci. C'est Avoc, exact. Et c'est bizarre, c'est que Avoc, il me semblait que c'était aussi un moteur qui avait... Alors le nom... qui était utilisé pour autre chose, alors à moins que ce soit plutôt un développeur, ça me parlait au lieu de quand on parlait des jeux Mercenaries, il me semble qu'il y avait Avoc dedans, alors je sais pas si c'était le développeur, oh putain mais, c'était juste hein, oh t'as eu chaud toi, hein. Toi t'as eu chaud, t'es miraculé, il me semblait qu'il y avait quelque chose de Avoc, peut-être dans autre chose qu'un moteur de jeu, je sais plus, d'ailleurs Mercenaries de jeu que j'aimerais bien vous refaire. Je sais plus, je crois qu'ils sont rétro-compatibles en plus. C'est vrai que ça, c'est deux jeux que j'ai oubliés dans ma liste. Il y a aussi des jeux que je vous ai pas mis dans ma liste de jeux à faire, des jeux qui ne seraient pas par contre en stream. Il y a The Punisher, que j'ai toujours pas fait, que j'ai acheté, et qui me tente énormément. Je sens que je vais me faire striker apparemment sur YouTube, tellement c'est assez gore et tout. Je sais pas si le jeu a été patch. Pièce de rechange. Apparemment, c'est très très gore. Ça m'intéresserait beaucoup de voir ce que c'est. Et je l'ai acheté, je l'ai jamais commencé. J'ai une vieille Xbox en plus, donc j'ai tout ce qui va bien. Ouais, par contre, ça va être un peu tendu pour faire mon virage, là. Ouais, ouais, ouais. C'est... Putain, c'est chaud, par contre, quand il faut faire un virage. Recule en ligne droite, ok. C'est très facile à faire, mais il faut avoir le réflexe, par contre. C'est savoir dans quel sens il va braquer le machin, et j'avoue que là j'ai un peu de mal. Je sais pas si c'est facile ou pas. Ah, ça manœuvre très très bien, mais j'ai pas vraiment les réflexes en tête de savoir dans quel sens tourner. Ouais, là je suis un peu cuit, je crois. Je vais forcément foutre la flèche complètement en vrac si je tourne. C'était pas ce que je voulais faire, mais tant pis. Aïe, hop. Il y avait aussi des véhicules flottants dans Spin Tires, les Sherp. Alors, le Sherp, il y a Z2 qu'on a fait un, qu'il faut que je vous teste. De toute façon, j'ai testé un véhicule flottant, j'en ai aussi un autre de véhicule flottant à tester. Ma console a pas du tout apprécié l'autre. Hein. Celui que je vous ai testé il y a pas super longtemps. J'ai l'impression que j'étais limite en train de la faire cramer. Donc, je vais potentiellement m'abstenir. Je vais vous les tester, mais... Bon, de toute façon, ça m'intéresse pas plus que ça d'avoir un véhicule flottant, hein, vaut pas trop l'intérêt. À part pour rigoler 5 minutes. Je me suis amusé avec le PTS, il va enfin avoir le support multi-USB pour les périphes. Ah oui, c'est vrai. Alors, pourtant, ça, le développeur, il avait dit qu'il comprenait pas trop l'intérêt. Alors, je sais qu'ils vont utiliser aussi les volants Mozza, là, qui sont arrivés avec une mise à jour aussi.
volant mozza qui valent une blinde, hein. Ça vaut pas le prix d'une mozzarella comme on pourrait dire. Ça vaut vraiment une blinde, j'ai regardé parce que ça m'intéressait de voir pour un volant. Bon, malheureusement je joue quasiment jamais au volant et surtout j'ai pas envie sur Snow et encore moins sur Expédition. Il faudrait que je rejoue un peu à du rallye mais j'ai même plus le temps, c'est pareil. Mais je voudrais bien un autre volant que le G920 parce qu'à mon avis je prends vraiment aucun plaisir avec son retour de force par engrenage, j'ai l'impression que c'est vraiment de la merde. Par engrenage. Je prends vraiment aucun plaisir avec, à mon avis. Je vois beaucoup de. J'ai regardé l'autre fois, je suis tombé sur une vidéo. Ah, les 3 meilleurs volants sur PlayStation 5, je crois. Bah, vous avez le G920, G923 et puis le TGT. Ah, ok, bah super, c'est bien. Deux G900 dans le truc, c'est super, impeccable. Au moins, c'est varié, c'est pratique. C'est un peu abusé, mais ok. Salut Dominique! L'intérêt c'est que tu peux... Ouais non mais ça j'ai compris, il y a un intérêt, t'inquiète 4x4 hein. Ce que je veux dire c'est qu'il y a... C'est le développeur qui a dit qu'il voyait pas trop l'intérêt de d'avoir ça sur le jeu, etc. Alors je sais pas si ça va être très utilisé, mais ouais, là, pour ceux qui n'ont pas lu le message et autres, en fait l'intérêt d'avoir un multi USB c'est que sur PC bah, on branche pas juste un volant. On peut brancher un pédalier en USB, une boîte de vitesse en USB, un volant en USB, et du coup avoir un truc de chaque en gros. Alors après, sous réserve que ça fonctionne ensemble, mais... Mais en gros, on peut faire ce genre de choses. Oh, très joli! Ah merde, ça fait pas le reste! Ah merde! Ah, je me sens volé là! Ça a l'air génial. Can I have done with you? For sure, we'll give you a call when it's time to send the animals for off for processing. Bon, on s'en fout, ok. C'est con, moi je voulais construire l'autre truc, c'est abusé. Deliver the material to rebuild the bridge. Alors ça c'est le pont, et alors là le pont... Là le pont, bonjour, hein. Il faut aller chercher où le pont? Tout est en bas. Bloc de béton, dalle de béton, et poutre en métal, c'est où? C'est en bas là? Oh merde, c'est en bas là. Alors j'ai 8 places éventuellement pour aller jusque là-bas. Pour emmener les 2 poutres en métal, ça fait que 4 places, hein, c'est pas énorme. Par contre les 4... x 2 dalles de béton, ça fait de la 8 places. Donc il va falloir que j'aille rechercher un truc là. Je pourrais peut-être tenter un autre véhicule dans la côte. Je tenterais bien un Boar. Parce que moi mon Boar je le kiffe. Donc je tenterais bien un petit Boar, pourquoi pas. Hop hop hop, ça va trop vite. Par contre super beau le hangar, hein. Vraiment la construction, il me semble pas que ce soit dans le jeu, je suis étonné. Ça me dit rien moi ça. Ça me dit rien ce truc. J'aurais bien voulu c'est qu'il reconstruire ça, ça sera peut-être dans une autre mission. J'imagine, je pense pas qu'il aurait laissé ça comme ça. Je vais ramener la remorque et puis je vais aller en. Je vais aller chercher un Boar, je pense. Je vais venir chercher la. Peut-être avec une 4 places. Off. Deux poutres en métal, sinon je reprends un petit Twin Steer. À moins que vous vouliez un FEM ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'on peut tenter. Ou un camion 2 places. Vous me dites, on peut sortir un camion de place. Je sais pas si je coupe la vidéo, ça fait combien de temps? Ouais, ça fait 38 minutes. Vous préférez des gros streams ou pas sur YouTube? Je vous rebalance les 3 heures d'un coup ou faudrait que je coupe? Je sais pas ce qui serait le mieux, parce que l'autre jour, là, j'ai balancé 3h40 d'un coup. Bon, je faisais pas grand-chose de séparé, donc c'était compliqué de vous couper la vidéo en deux. Mais là, si je fais des missions, peut-être une plus petite au pire. Je peux faire une plus petite et puis mettre ça avec. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je regarde ce qu'il y a comme autre mission avant de partir. Me garer derrière le pont. Mais pardon, j'ai quitté l'écran 2 secondes du regard, sans déconner. Je pense que le mod, c'était lui qui faisait cramer ta console, pas le fait de flotter dans l'eau. Bah ouais, je pense, mais je sais pas, c'était le fait qu'il y avait plein de particules qui volaient de partout, la console a pas aimé. Hein. Alors, et apparemment, il y en a, c'est sur PC aussi que c'est arrivé, hein, pour info. Il y en a sur PC aussi, ça leur est arrivé. Hein. Alors là, il y a un petit truc à construire, c'est quoi? Un petit chalet, une pièce de rechange, une planche de bois et un tronc court. Ah bah voilà, tiens, pour enchaîner ça avec le tracteur, on continue un petit peu de tracteur et puis après on fera le pont avec la 8 places. Tiens, on va faire ça, je pense. C'est pas loin, c'est sur mon chemin, j'ai une 3 places. Je peux aller chercher ce qu'il faut donc en bas, ça et ça. J'y livre, je ramène la remorque et puis je pars avec une remorque de tronc court. Alors à moins que vous vouliez un autre véhicule, vous me dites.
Je peux partir avec un autre véhicule pour les troncs courts, je sais pas, n'importe quoi. N'hésitez pas à proposer, je peux au pire changer de tracteur, je sais pas, ou de véhicule, hein. Mais vu que c'est une petite mission, ça me paraît pas mal. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous tente. Le souci avant, pour avoir un combo volant-pédalier, il fallait que le pédalier soit connecté au volant, sinon ça fonctionnait pas. Ouais, maintenant il y a des trucs sur PC pour ça, mais bon, sur console, hein, tu peux t'accrocher. Déjà, rien que les volants soient compatibles, c'est pas toujours le cas. Moi, je sais que mon G920, il y a un jeu que j'avais voulu tester, qui me semblait assez sympa, c'était Grid Legends. J'ai testé, ça a complètement fait crasher le truc, ça marchait pas du tout. Pourtant, le G920, c'est le volant le plus populaire, le plus mis en avant sur console. Alors, très loin d'être le meilleur, hein, attention. Mais c'est le volant le plus populaire et tout, et ça marche pas du tout. Et ça me gonfle vraiment, en plus de pas avoir un bon retour de force. J'hésite un peu, il y a un T248 qui est pas mal. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas trop cher. Il y a un T300, bah alors moi, c'est pas T300 RS, c'est le TX Racing Wheel chez Thrustmaster. Après, le pédalier est pas ouf non plus. Pourtant, le T248 a un bon pédalier. Ça fait chier, ça coûte une blinde. Dès que tu veux un volant un petit peu sympa, je peux avoir pour 500 balles du Fanatec, mais 500 balles quoi. Encore une 8 places, t'en as pas eu assez hier? Non, je crois que non. FEM plus 4 places. Oh non, je suis pas drôle, non, le FEM, non, je suis pas drôle. Des vidéos de plus d'1h30, ça commence à être compliqué, je pense. Bah écoute, après, il y en a, ils mettent la vidéo et puis ils la laissent tourner, hein. Alors, faut savoir, c'est que moi, c'est presque moi que ça fait le plus chier d'une certaine manière. Ouais, je vais continuer avec le tracteur, tu sais quoi, vas-y, je m'éclate avec le tracteur, hein, continuer. D'une certaine manière, c'est plus moi que ça fait chier parce que c'est très long à mettre en place et ça me fait qu'une vue quand vous regardez le truc au lieu d'en faire plusieurs si vous regardez plusieurs vidéos, mais bon. Je le fais pas uniquement pour les vues, donc bon, c'est pas grave, je laisse couler comme ça et puis voilà. Donc je sais pas, je vais voir. Là, je pense que je vais faire une autre petite mission. Donc celle-là, ça devrait pas être très long parce que là, quasiment tout est sur place. N'hésitez pas à me proposer un camion pour les troncs courts. Donc une planche de bois, une pièce de rechange, tout est ici. Et après, je pars avec un autre véhicule, je pense, pour faire les troncs courts. Ou alors je continue avec le tracteur, je prends la remorque tronc court, hein, je peux. J'ai tout ce qu'il faut en stock. J'ai encore de l'essence, de toute façon je vais pas loin. J'ai mangé maintenant après. Ça marche Alessio. Bon app à toutes. J'ai 500 heures de jeu au volant, j'ai 29 sur Snow, je peux plus jouer à la manette maintenant, je suis full Mozza. Et je vais enfin pouvoir reprendre la route. Je suis pas... Oh putain, j'ai plus de place sur le boîtier en plus. Le boîtier est en train de clignoter, il va falloir que j'aille vider un peu. Je fais des vidéos tellement longues en ce moment, je vais faire cette mission-là, ça devrait passer. Et après, je vais supprimer des vidéos. Pièce de rechange. Faut que j'aille supprimer des vidéos après, j'ai plus de place sur le boîtier. Ah, fait chier. Bon, faut pas que je traîne trop en plus parce que... Le boîtier peut vite tomber en rade. Alors je suis désolé, il me faut de la réparation. Je vais passer là en speed. Ah, je le savais qu'il fallait que je fasse le vide. Mais je suis arrivé tellement à la bourre aujourd'hui encore. Putain, j'en ai marre, j'arrive plus à avoir des horaires. Ça me saoule. Ça me saoule vraiment, je suis vraiment désolé, hein. J'essaie d'avoir des horaires, je vous dis des horaires sur Discord. Et en fait je suis encore en dessous. Ça me saoule vraiment. Vraiment, le problème c'est que live ce soir jusqu'à 6h du mat, 4-5h des fois. Et ben, hop, d'accord, merci, je viens de réparer, c'est génial. Ça me fait me coucher tard, après je me lève tard, après je stream tard, j'ai des trucs à faire dans la maison aussi. C'est très compliqué, très très compliqué. J'arrive plus à tout mélanger, à tout associer ensemble donc. Ah, je vais sortir le Saint-Bohard après. Par contre, j'avais dit une 4 places éventuellement. Alors, je sais pas, est-ce que je prends un camion, n'importe lequel, pour faire 2 places plus 2 places. Et après, un 4 places. Alors, c'est où qu'il faut que je livre, hein? Là-dedans? Ah, bah là-dedans, mais il n'y a même pas de route. Bon, bah là-dedans. Ah, par contre, il me dit que je peux aller chercher du matos là-bas. Bah, c'est les troncs, peut-être. Bonjour, c'est le facteur. J'ai un gros colis pour vous. Alors ça a pas l'air d'être grandiose la maison que je vais construire, mais ça reste sympa.
Ah, j'aime bien livrer en tracteur, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir livrer en tracteur. C'est vraiment con que il soit aussi mauvais au niveau direction, au niveau des stats un peu. Bon, ils sont bons dans la boue, mais... Bon, bah j'ai plus qu'à ramener la remorque. Je vais peut-être chercher les troncs courts avec le tracteur et puis on n'en parle plus. Faut que je trace là le boîtier, j'ai peur qu'il crache. Je vais aller supprimer des vidéos d'expédition, sûrement que je dois avoir des plein dessus. Les vidéos de The Quarry, je crois que je les ai gardées, faut que je les dégage. Je sais plus, faut que je vérifie. Et ouais, à faire des grosses vidéos du coup, bah faut que je vide un peu le boîtier de temps en temps. Ouais, on va finir avec le tracteur vite fait, allez hop. J'ai peur que le boîtier coupe et puis que j'ai pas ma vidéo, ça me ferait chier. Wouah, da fuck! Wouah, mais sans déconner, en frottant une barrière ou un poteau ou par un... Wouah, sans déconner! Puis alors celui-là à remettre sur ses roues, j'avais oublié, mais lui c'est une tannée, hein. Oh, mais non, vous déconnez, les gars. C'est quoi cette baffe que j'ai mangée là? Voilà, c'est à cause de toi. Tu viens d'arriver, H, et ça y est, je me crache. Mais sans déconner, non mais t'as vu la baffe que j'ai mangée? Pour rien? Ouah, mais arrête de traîner dans le sol toi! Bah c'est vrai que j'ai pas la suspension surélevée, mais bon quand même. Ah c'est vrai que j'ai une nouvelle pince à grue aussi. Bon je la testerai, il y en aura sûrement d'autres de trucs. Là je vais finir avec le tracteur. En speed avant que mon boîtier décède. Mais ouais bordel. Fais chier. Et eh ben salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ah mais la baffe que j'ai mangée, mais intersidéral pour avoir frotté une barrière quoi. Vachement stable les tracteurs hein les gars. Moi j'achète pas qu'ils revêtent ça. Je sais même pas s'il va suffire pour leur foutre droit, hein, ce tas de merde. Parce que les kyrovets, c'est une horreur à remettre sur ces roues. Vu qu'il n'y a pas de point de treuil sur les bords. Sur les côtés, pardon. C'est une horreur. On va essayer, hein. Ah, j'ai réussi à péter l'arrière en hauteur. D'accord, le pot d'échappement, les pots d'échappement sont complètement tordus, je sais pas pourquoi. J'ai rien frotté, mais les pots d'échappement sont tordus. J'ai juste raclé le sol, mais... Ah là, il n'y a aucun élan. Tu perds complètement ton... C'est un délire. T'arrêtes d'accélérer, le véhicule, il y a un auto-freinage. C'est limite un chariot élévateur, le truc dans le jeu. Ah, j'ai réussi à faire monter en boîte auto quand même. J'ai changé de vitesse au bon moment. Et il grimpe en boîte auto. En quatrième? Ah oui, quand même. Ah ben. Je sais même pas s'il va suffire. Hein. Au pire, tant pis, je prendrai le relais, mais... Là, je suis dans la merde. Hein. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que la carte, elle est pas terrible. T'es obligé de t'arrêter, de faire gaffe, parce que ton camion, il va pas tenir la route. Il va partir dans la rambarde, tu vas exposer ton véhicule, voire le retourner, et puis, bah... Ouais, bah, tu prends pas plus de plaisir que ça, en fait. Alors après, c'est vrai que c'est pas spécialement l'objectif du jeu de faire de la route. Bon, tu me diras, la phase 13 qui arrive, là, il y a quand même pas mal de routes, j'ai cru voir. Hein. Même s'il y a des endroits un peu boueux, des cassures, etc. J'ai voulu tenter un frein à main, j'ai oublié, je me suis dit, ouais. Par contre, je vais me cracher, donc on va éviter. On va éviter. C'est vrai qu'il est quand même assez léger lui. Alors. J'ai ma petite idée sur comment le relever. Je suis pas sûr. Hein. C'est pas si mal.
Faudrait que j'arrive peut-être à refoutre la remorque droite. Ah non, il repart avec. Non, putain. Ah, mais va te faire foutre la remorque, sans déconner. Ah, je l'avais, c'était pas si mal. Faudrait que je lui décroche la remorque, je pense, parce qu'elle va m'emmerder, là. Là, elle va pas m'aider. Elle va pas m'aider du tout, là, la remorque, donc vaut mieux que je la dégage. Eh merde, et si elle m'a aidé à le remettre droit en fait. Ah putain, quelle bande de baltringues ces développeurs. Ils ont pas foutu de points d'accroche sur les côtés, sur les tracteurs. C'est un délire. Oui, bien sûr. Ah bah d'accord. Ah oui, d'accord. Ah elle passe à... Ah d'accord. Oh bah tout va bien. Hein. Ouais, vas-y, drift, fais du grind. Vas-y. Impeccable. Bon. Ça pue un peu pour le K7M maintenant. Hein. Je peux peut-être tenter dans l'autre sens, mais... Tirer l'arrière, je sais pas. Allez, 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 accroche, accroche! Putain, tu fais chier. Tu fais vraiment chier. Ah, tu fais chier le K7M, c'est un délire. C'est un délire, hein, de pas avoir mis des points de treuil sur le côté, sans déconner, les gars. Vous avez juste rien compris. Hein. Vous avez juste rien compris, c'est pas possible. Hein. Allez, accroche dans le sol, putain. 90% du temps, il accroche dans le sol quand t'as pas envie. Hein. C'est incroyable. Mais bien sûr, accroche le poteau, t'as raison. Putain, ça fait chier. Je vais finir avec le 57X parce que... Je vais y passer 2 heures, mon boîtier d'acquisition va cramer, putain, parce que j'ai plus de place à cause de tes conneries de K7M de merde. Sans déconner, ça m'énerve. Pourquoi vous avez pas mis de points d'accroche sur les côtés, sans déconner? J'arrive même pas à passer, tu te fous de moi, là? D'accord, là, je suis passé, hein, mais... Je suis passé, là. Je suis passé. Si, si, je t'assure, je suis passé, là. Là, il n'y a plus rien qui coince, mec. Hein. Alors, je peux même pas accrocher le point qui est devant moi. Bah oui, non. Bah non. Non, c'est pas drôle, hein. Ah, putain! Ça m'énerve là. Là, ça m'énerve là. Là, ça m'énerve, mais rouge. Rouge, rouge, rouge. Allez, tu es en train d'accrocher. Fais le boulot jusqu'au bout. Putain. Ça me rend fou, il accroche, mais seulement quand il veut. Hein. Et ça y est, il arrête. Hein. Il arrête d'accélérer, là, ça y est, d'avancer, je veux dire. Mais non, le tracteur, le gros truc jaune, là, à côté de toi, débile. Ah putain, je suis en train d'y arriver, mais il veut pas y aller. Allez, 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 allez! Tu devrais y aller là. Tu devrais y aller là. Si tu coinces et que je te tire comme ça, tu devrais y aller. Et voilà. On est reparti de l'autre sens.
putain, c'est une purge. C'est une purge, votre acteur, à remettre sur les roues. Ah là. Sans déconner, ça veut pas accrocher la route. Ah, j'ai envie de tout casser, ça m'énerve. Ah, j'ai envie de tout casser, ça m'énerve. Ah, je... Ah, là, ça me... Ça... Ah, ça m'irrite là très très fort, là. Là, ça m'irrite très 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 fort, ce genre de conneries. Ah, là, je... Non, là, je supporte pas, là, vos conneries de... De points d'accroche qui n'existent pas sur les côtés, c'est... C'est un miracle, ça, hein. Bravo, vous êtes des génies, hein. Putain, c'est vrai que c'est tellement cheaté de remettre un véhicule sur ses roues. Avec votre treuil qui passe à travers les murs, les rochers, tout ça. Mais faut surtout pas accrocher un treuil au mauvais endroit d'un tracteur. Hein. Ah bah non, bah attends, ça va pas la tête. Ça serait pas réaliste. Hein. C'est sûr qu'un tracteur qui a 20 degrés d'angle de braquage, c'est réaliste. Hein. Bah oui, tous les possesseurs de tracteurs veulent des tracteurs qui ne braquent pas. C'est très important. Ils ont besoin de faire 3 tours des villages de 3 pâtés autour de leur fucking champ pour pouvoir le faire. Bah oui, ils ont, ça c'est intéressant évidemment. C'est pour ça que tu les vois passer plein de fois en fait. Ils font une ligne, ils font 3 villages, ils refont la ligne dans l'autre sens. Oui, c'est comme ça que ça marche. Optimus serait pas assis à côté de toi dans le camion. Teinture a peut-être utilisé un peu un endroit, ouais. Ça va bien finir en bas du pont tout ça. J'aurais pu, si je avais pu l'envoyer, je l'aurais fait. Mais je pouvais pas. Sponsor officiel du youtubeur Tolinx21. Ah non mais le qui revête sa relevée, c'est un délire, mais putain, pourquoi il n'y a pas un point de treuil quelque part, quoi? Sur la marche d'escalier, je sais pas où, vous l'avez fait sur d'autres. Hein. J'en sais rien. De toute façon, techniquement, t'accroches le treuil autour du camion et tu tires et ça le remet sur ses roues, quoi. Tu fais des... Mais non, surtout pas. Ça serait cheaté, bah oui. Bon, je vais prendre ma remorque, je vais aller livrer le bois et au retour, je ramène les deux autres. Et on quitte ici avant que mon boîtier d'acquisition tombe en panne. J'aurais dû y penser avant de faire le ménage. Allez, on repart de zéro. Regarde-moi ça, comment il lève le machin. Ah. Sur le Dupont, le traînant. Ouais, mais j'arrivais pas à le tirer. C'est ça le problème. C'est que le tirer, il a été accroché par terre. Il est tellement lourd, ce merdier. Je crois qu'il fait 28 tonnes, il me semble. 22, 28, je sais plus. Alors que ça devrait, à mon avis, pas faire ce poids-là, mais... Je freine, et ça freine pas. Et je vais me trouver sur le toit. Oh, putain de bordel de... Oui, bah, tu peux arrêter. Tu fais quoi, un safari, là, ou c'est de la pelouse? Ça va y aller? Encore à deux doigts de le cracher, ce tas de merde. Ah, hein. Oh, putain, vraiment. Ma phase 8, c'est ma préférée, mais alors... Faudra des tracteurs qui tournent quand même. En première, pleine balle. Ça a l'air de monter. Ouais, Optimus. Tes cours, ça s'est bien passé. Il devait pas être frais ce matin. Hein. Il était à 3-4 heures du mat avec moi, je crois. Pour se lever à 6 heures et quelques. Ah, les roues larges, non. J'aime pas, c'est moche. J'ai pas envie. Allez, on y go. Envoie la sauce, s'il te plaît. On a autre chose à faire. Surtout qu'on va le recracher 2 mètres plus loin. J'aurais peut-être même pas dû renlever le... Pff, ouais, de toute façon, j'arrive pas à le retourner le kilomètre, ça. Si je leur crache, je me barre avec autre chose, j'en ai ras le cul. N'importe quoi, mais tout sauf ça, j'en ai marre. Vraiment, ils se crachent trop facilement des fois, puis surtout avec ce bitume là, je... J'avoue honnêtement, autant, je l'aime autant que je la déteste, ces régions, The Region. Parce que c'est très joli, c'est très sympa, ça change et tout. Mais avec le gameplay qui est pas du tout fait pour, et bah tu prends aucun plaisir. Regarde-moi ça, je vais tout droit, hein. Je peux rien faire, je freine, c'est plante à fin le sol. Ces plantes à fin. Je sais pas qui a lissé tout ça, mais c'est un délire. Je sais pas si le modeur peut aussi jouer sur l'adhérence des routes. Je pense pas trop, mais c'est un délire quand même.
Ah, puis c'est vrai que les troncs, par contre, ils sont pas ici. Oh, bordel, j'aurais dû quitter avant. Ah, j'aurais dû quitter, j'aurais dû. J'ai mon boîtier acquisition, il arrivera pas à suivre, à mon avis. Ouais, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est ouf. C'est par là. Je peux aller n'importe où. Par là, ça grimpe bien, il me semble. Ah, et ce chemin-là, je sais même pas si je l'ai déjà fait. Allez. C'est pour ça que je demande, c'est clair. Les courses sont bien passées malgré quelques coups de fatigue durant la journée. Avec le fait de voir courir 800 mètres en fin de journée, ça m'a bien réveillé. Ouais. Ça marche HD, Banap. A plus. Pourquoi le kilomètre? Bon, parce que j'avais une ferme à reconstruire, donc j'ai fait ça avec un tracteur, parce que ça change, j'aime bien livrer en tracteur, mais... Malheureusement, ça marche pas aussi bien que j'aimerais au niveau des tracteurs qui revêtent. J'aime bien des fois, franchement, à la phase 8, j'ai bien aimé faire des livraisons en tracteur et tout. C'était assez fun. Mais malheureusement, il manque de l'angle de braquage, des points d'accroche sur les côtés. Mais bon. On va pas demander des efforts aux développeurs, hein, faut pas exagérer, ils sont déjà en train de nous améliorer les Tatras. On va se taire, on va accepter tout ce qu'ils nous donnent et puis on va dire merci, merci, merci. Merci. Est-ce qu'il faut vous payer encore en plus pour avoir des trucs qui marchent, non? Dites-le surtout. Hein. Dites-le, n'hésitez pas. On peut vous payer une rambarde de Tatra, il n'y a pas de souci. Alors c'est moi ou il est censé y avoir une route ici? J'en vois pas. Ah c'est ça, il est censé y avoir une route ici, je la vois pas. Ah si, elle est un tout petit peu plus loin. Avec un tracteur qui tourne pas, c'est impeccable. Allez, roule. Donne-moi ça. Tracteur qui est coincé dans un chemin de champ. Non, mais il y a un moment, les gars, c'est pas possible. Ça n'est pas possible, votre histoire, là. Ouais, un ficus, ça tombe bien. Dépanner un tracteur de 22 tonnes avec un ficus, c'est exactement ce qu'il me fallait. Dommage, j'avais pas de pâquerette. Là, j'aurais été sauvé, mais... What the fuck? Tu peux avoir un petit peu de stabilité, quand même? Tapis, ces routes, le mec, il a fait vraiment de la merde. Il a fait des routes bosselées de dingue. C'est horrible. Horrible ce qu'il a fait au niveau des routes là. Salut Ricky. T'es vraiment un râleur? Bah merci. Qu'est-ce que je te dise? Il y a quelque chose que je dois te répondre, révolutionnaire, ou... Je suis un râleur, sans déconner. À propos de quoi? Je vais pas vous mentir qu'à certains moments, je commençais à m'endormir à 3 h. Allez, tu passes. Encore un ficus salvateur. Allez. Putain! Mais ouais, mais j'y peux rien, ça tourne pas. C'est pas un tracteur, c'est une Porsche. C'est une Porsche qui tourne pas. Il y a un moment, voilà quoi. Une Porsche de 22 tonnes qui tourne pas. C'est vraiment une horreur, votre tas de merde. Putain, faites quelque chose. C'est bon, ça va pas cheater le jeu que votre tracteur il tienne debout et qu'il tourne. Arrêtez vos conneries 2 minutes. Putain, sans déconner. Bah oui, mais j'essaie, mais j'ai pas le droit de tourner. C'est un kyrovets, hein. Eh ouais, non, mais c'est un kyrovets, qu'est-ce que tu te dises? Ah, ça peut te faire des vidéos pour avoir de la puissance pour tracter un classe comme j'avais posté, hein, mais visiblement ça tourne pas. Hein. Donc, faut pas l'acheter, hein. Quelle horreur! Ah, tu vas faire plaisir au nain. Allez, avance!
Oui, je voulais mettre le frein à main, mais forcément c'est le même bouton que dans le menu, donc... Alors, tronc court, remorque, merci. On va livrer ça, on ramène les deux remorques. Et puis le kyromètre s'y dégage. Je l'adore, mais... Enfin, j'adore son style, j'adore le fait d'avoir des tracteurs, mais... Quelle souffrance. Alors sur cette carte, c'est encore pire. Les routes sont trop bosselées, ça fait que t'arrives pas à avancer. Ou alors c'est du bitume, et alors là, bah, tu glisses tellement que t'avances même sans le vouloir. Donc comme ça, c'est pratique. Par contre, il y a un truc commun, c'est que sur l'un comme sur l'autre, tu tournes pas. Ça au moins, c'est bien. Il y a un truc qui est réconfortant. Tu te retrouves toujours, au moins ça tourne pas. Je te dis, Telinque, si ce soir tu streams, je reste jusqu'à la fin. Je sais pas si je stream ce soir en fait. Parce que justement, demain j'ai des trucs à faire et je devais les faire aujourd'hui, mais. Couché tellement tard, tellement fatigué que du coup, bah, on fait pas ce qu'on a à faire et ça commence d'être chiant. Donc, en plus, le chat était pas bien hier soir. Ça a fait une crise de panique. Donc, je sais pas si ce soir je vais streamer, honnêtement. J'hésite très fortement. J'ai envie de poursuivre Tomb Raider, j'ai bien avancé quand même hier. Je suis sur la bonne route, hein, on est d'accord, oui. Mais là j'avoue que si je veux faire mes trucs demain une bonne fois pour toutes, bah faudrait que je me couche quoi. Pas trop tard, pas 8h du mat quoi. Je me demande quand même quel est l'état de la carrosserie de la C3. Écoute, elle va très bien. J'ai plein de bosses et de marques de portières, mais c'est pas moi qui les ai faites. Si, il y a deux conneries que j'ai faites, j'ai accroché le pare-choc avant dans les escaliers de mon ancienne maison. Enfin, je peux dire cette maison. J'ai avancé un peu trop, c'était la neige et tout, j'ai pas reculé assez pour me foutre dans un gros tas de neige que j'avais fait. Et j'ai frotté un petit peu le dessous de l'avant. Et une autre connerie, c'était quoi? Bah c'est à ma maison d'ici, c'est pareil. J'ai frotté un peu le dessous à droite parce que c'est un peu en fait en pente la route où... Bah ouais, bon... Putain, tu vas y aller, oui, sans déconner! Eh oh! Prends un arbre, vas-y. Et j'ai frotté un petit peu le côté droit. Bon, pas grand-chose. Je sais même pas s'il y a une marque ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est ce qu'il y a en dessous, là où tu mets le cric. Donc, il n'y a rien du tout de vraiment visible. Par contre, j'ai des marques sur toutes les portières à mon ancien appart. Tous les voisins me foutaient des coups de portière. C'est génial. Ou des fois, sur des magasins, je me gare à l'autre bout du parking. Mais il y a toujours des connards qui viennent se garer à côté de toi, qui te foutent des coups de porte. C'est un vrai plaisir. Tu te casses le cul à te garer loin et il y a encore des connards qui viennent te défoncer ta bagnole. C'est super plaisant. Donc la C3 va bien en dehors de ça. Tout ce qui a été abîmé, c'est pas moi. Ça, c'est cool. C'est vraiment un bonheur quand c'est pas toi qui fais tes conneries presque. T'as, mais l'arbre blanc, il est dedans là, va te faire foutre. Non, là, je suis désolé, je peux pas être poli là. L'arbre blanc, il est dedans là. Me casser les couilles. Hein. Putain. 20 minutes que je galère avec ce tracteur de merde, il arrive pas à accrocher l'arbre blanc, sans déconner là. Merci. Je suis obligé de choisir moi-même les arbres parce que sinon il prend tous les ficus de la région. Je déboise toutes les pousses moi. Ah, les arbres je les touche pas. Hein. Par contre toutes les petites pousses là je les fous tout en l'air. Ça va? Tu vas y arriver le tracteur ou... Il y a une bonne côte. Mais je sais pas, mais un petit peu d'accélérateur, tu verras. T'as un bloc diff, un AWD. Tu verras si t'essaies de faire tourner les 4 roues déjà, t'avanceras peut-être un peu. Allez! Mais putain, c'est pas possible! On dirait qu'il essaie même pas! Ah, en vitesse lente basse, il avance un petit peu. Ah ouais, ficus, 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 ficus. Ah, c'est ficus lente sa carte. Hein. Ah, il a fait de la végétation! Seulement, lui de faire de la végétation expédition où t'as plein de fleurs qui décorent, bah lui il a fait des trucs partout que tu peux attraper, c'est génial, ça sert à rien, mais. Ça, c'est la différence entre SnowRunner et Expédition. Il y a quasiment aucun ficus que tu peux attraper dans le jeu, il me semble. J'ai pas souvenir de ça. Parce que tout ce que tu peux attraper, c'est utile, il me semble. Il me semble, hein, je suis pas certain. La différence de SnowRunner où tu peux tout attraper, il y a rien qui sert. C'est. Là, t'as la grosse différence entre les deux. J'aurais su, j'aurais dû aller à l'autre. À mon avis, il y avait moins de descente. Je me suis dit, j'allais tester la route un peu. Bah, c'était une grosse galère pour le Kirovets, évidemment. Ah bah. Allez, tu vas y arriver.
Mais non, pas au-dessus. Mais non, tu cales pas au-dessus. Allez. Voilà, c'est bien. Bon, par contre, la remorque, du coup, elle est trop basse. Peut-être qu'elle m'a gêné un peu aussi. Je sais pas, c'est par où. Ah, il y a une route, c'est la tour de guet, d'accord. Je vais finir par tomber en panne d'essence avant d'être arrivé, quand même. Ça, c'est un peu abusé. Je vais tomber par terre, hein. Parce que je rebondis, hein. C'est pas parce que c'est pas incliné, hein. C'est parce que je rebondis. C'est le gameplay, SnowRunner. Et ses routes de merde. Tu rebondis sur le sol. Putain, ça, ça m'a pas manqué, hein. Ah, ça m'a pas manqué du tout, hein. Vraiment. Allez, un ficus, super. Ça va m'aider, bah oui. C'est ce que je te dis, je tourne pas, je n'ai pas de direction. Regarde, on dirait que je suis coincé. Je peux plus tourner. Je suis obligé de m'aider des arbres pour tourner, c'est quand même dingue, hein. C'est pas pratique un tracteur dans la vie, hein. Je serais vous, je ferais les champs avec une Audi A4, je sais pas, un truc sympa. Qui tourne quelque chose, parce que là, visiblement, les tracteurs, c'est vraiment de la merde, hein. Putain, mais pourquoi ne pas respecter les tracteurs? Salut JCVD. Putain, je suis désolé, mais ça me... Ouais, franchement, le tracteur, là, ça me fout de la peine avec la map. Waouh. C'est une galère. C'est une vraie galère. Et si je l'avais pas retourné, j'aurais déjà fini presque. Hein. Pas trop vite. Tu vois bien que tu rebondis et que t'es 23 tonnes. Bah oui. Je sais plus quel poids ils font, faut que je vérifie là. Mais c'était super lourd, il me semble, les tracteurs. Dans le jeu. Non? Je sais plus. Combien ils font? Je me rappelle plus. En tout cas, ils ont l'air extrêmement lourds, hein, vu pour les retourner, la galère que c'est et tout. Ah bah, on passe par la station service. Bah, on va prendre de l'essence. Ouais, bah ça, je suis en train de glisser là. C'est vachement agréable. Allez, on va livrer la maison et basta. Ah non, on va changer de véhicule. Là, je passe pas des bons moments sur Stoner en ce moment avec tous les véhicules de merde que je prends. Va peut-être falloir que je prenne des trucs un peu plus sympathiques. Hein. En même temps, sur la route, c'est quand même problématique dès que tu passes sur la route dans Snow. Heureusement qu'il n'y en a pas tellement dans le jeu. Il y en a un petit peu, mais... C'est con, hein. J'adore vraiment livrer en tracteur. Franchement, je le ferais 10 fois plus souvent. Si ça marchait. Mais c'est des enfers. Alors, qu'est-ce que ça construit? Montre-moi ça. Une petite cabane? Ah oui. Bon, c'est un peu rapide, mais c'est chouette. 15 000 balles, 1200 étoiles, niveau 6. Ça y est, je peux acheter une citerne d'essence. Ouh! Ça y est, je peux enfin jouer. Merci, Remo. Trop sympa. Ah, la remorque a fait n'importe quoi. Bon, bah, va là-bas, hein, si tu veux. Oui, ok. Ça tourne bien, moi, hein, mais c'est pas là que je voulais aller. Mais c'est pas grave. Au moins j'y suis. J'y vais de remorque. On va faire une petite coupure. Quelle heure il est? Oui, il est déjà bientôt 20h. Mais on va se refaire une petite heure de gameplay, je pense. On va couper un peu les vidéos. Ça sera moins long à envoyer. Et puis. Ça sera peut-être un peu plus sympa à regarder des vidéos plus courtes. Je sais pas. Après, je pourrais vous envoyer les lives directement depuis Twitch. Mais la qualité, elle sera pas là. Sera pas là du tout. Je sens qu'il va se passer une dinguerie, je sais pas pourquoi. Ça va accrocher un peu un bout de pont, un poteau, un mur, j'en sais rien. Et tout le convoi va finir par terre, ça m'étonnerait pas. Bon, voilà. On y est. Eh ben, c'était quand même une souffrance. Ceux qui revêtent, c'est dommage.
Je le trouve magnifique et tout. Oh, ouais, je crois qu'il y a eu un petit truc qui s'est passé. Il y a un petit problème là. Il s'est passé un truc pas terrible derrière. Pourtant, c'était pas là que c'était le pire. Je peux t'atteler à l'envers ou pas? Ah, d'accord. Surtout, d'accord. Non, je peux pas t'atteler à l'envers. Ah oui, grimpe plus dessus, t'as raison. Ça va se passer bien, ça va bien se passer, tu vois. Si tu grimpes dessus, ça va très bien se passer, je pense. Elle va apprécier. Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage, j'avais dans l'espoir qu'elle se refoutrait sur ses roues, mais non. Dommage. Ah, d'accord, il n'y a pas d'autre point de treuil. Ah, c'est intéressant, ça. Je vais finir par te détruire, là, parce que là, franchement, c'est pas un développeur du jeu, RSK, parce que, visiblement, il est capable de faire vraiment de la merde aussi, lui, à des moments. Pourquoi il n'y a pas de point de treuil sur le côté de la remorque, sans déconner? Ouais, bah, j'essaie de faire ce que je peux, mais... je veux bien, mais je peux pas faire tout ce que je veux, quoi. Bah ouais, non mais je peux pas en fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ta remorque? Tu veux la retourner comment? Avec une grue? Même avec une grue, de toute façon c'est à l'avant et à l'arrière. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah ouais, bah voilà, je suis en train de la traîner sur le côté et puis c'est super. Là ça sent le rage kit quand même, ça commence à me casser les couilles. Hein. Vraiment, il n'y a rien qui se passe bien aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Pourtant je tente pas des trucs de zinc, de dingue, hein, mais... Là tu passes, hein. Je t'explique, là tu passes. Je t'explique, la vie, quand ça touche pas, c'est que ça passe. Hein. Merci. Oh putain. Ah vas-y, va te faire voir, c'est bon. Allez, dégage, tu m'as gonflé. Dégage, tu m'as gonflé, c'est bon. Vas-y. Je suis désolé, mais ça m'énerve. On fait une coupure 5 minutes, je reste en live, mais je vais aller virer des vidéos sur mon boîtier d'acquisition pour faire la suite.